Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre à utiliser un bot sur Discord, pas n'importe quel bot, le bot Invite Manager qui va vous permettre en gros sur un salon sélectionné de montrer qui a invité qui est parti du serveur, qui est arrivé, le nombre d'invitations que la personne qui a invité a. Du coup on va voir tout ça. Donc déjà pour pouvoir avoir le bot sur Discord, il va falloir le faire depuis le site TopGG. Voilà, je vous mets le lien en description. Donc TopGG, donc Invite Manager. On va donc l'inviter dans mon serveur. Voilà, du coup maintenant que j'ai mis mon serveur, mon bot qui est juste là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va, c'est bon, ouais, il va falloir le mettre, oh, pas spécialement en fait celui-là, pas spécialement le mettre au-dessus. Mais bon, du coup voilà, on a notre bot. Et du coup maintenant. Comment on va tout faire donc pour le configurer. Du coup on va aller sur un salon, je sais pas moi, un salon que j'ai appelé aéroport, un salon où en gros il y aura écrit toutes les personnes qui viennent et qui partent. Alors du coup par exemple on va configurer déjà le salon où il y aura les messages d'invitation et les messages des membres qui partent. Donc on va devoir faire config join message channel. Là on va faire hashtag aéroport. Voilà, donc là de toute façon c'était déjà mis dessus hein. Ensuite on va faire exactement pareil pour enfin c'est en fonction de votre serveur hein. Après ça m'étonnerait que vous ayez un autre serveur, enfin un autre salon, mais bon. Donc du coup après vous allez faire leave message channel. Voilà, donc quand les gens quittent ça sera inscrit sur ce channel là. Merde, j'ai oublié de je vais faire... Alors, config message channel hashtag aéroport. Voilà. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a configuré le channel où il y aura les messages, maintenant qu'on a configuré le channel, on va devoir faire config message. Non, qu'est-ce que je dis? Config join message espace, et là vous allez faire, alors j'ai oublié comment ça s'appelle, l'espèce de parenthèse chelou, voilà, qui ressemble à ça qu'on fait avec CTRL ALT 4, et vous allez mettre là ce sera en fonction de vous, donc vous allez mettre member, et là vous allez mettre mention ou name. Donc si vous faites ça, le message ça sera nanana a rejoint le serveur, mais ça sera son nom. Ils vont juste écrire son pseudo. Alors que si vous mettez mention, ça va le mentionner, c'est-à-dire ça va mettre arrobase, son pseudo, son Discord tag, c'est-à-dire les 4 chiffres là. Et du coup, il sera mentionné dans le salon. Donc ça sera comme vous voulez. Et on va faire, je sais pas, on va faire un truc simple. Et ensuite vous allez mettre, enfin ça c'est pareil, encore une fois ça va être au choix, la personne qui l'a invité. Donc moi je vais mettre il a été invité par, et là on va remettre l'espèce de parenthèse qui n'en est pas une, et cette fois on va mettre inviter mention ou inviter name. Comment, par exemple, on va dire que j'ai non, vous savez quoi, on va dire que je vais juste mettre son nom, je vais pas le, excusez-moi, name. Voilà, on va remettre de l'autre côté l'espèce de parenthèse. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire espace. Donc ça, bien sûr, encore une fois, c'est au choix, mais nous, on va le mettre. Faire espace parenthèse normale, parenthèse qui n'en est pas une. Et vous allez mettre num invite. Voilà, et vous allez remettre, et vous allez refermer comme ça. Et là, normalement, ça a été fait. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter mon deuxième compte sur le serveur. Voilà, alors regardez, @salco, bon ça c'est une qui sort, a rejoint le serveur et s'est abonné à la chaîne. Il a été invité par Aran, et là il y a une petite faute. Alors oui, bien sûr, après vous aurez toujours ces messages-là. Bon, ça c'est très simple, vous allez juste voilà, ici. Voilà, alors attendez, j'ai fait une petite erreur, donc on va remettre ça. En fait, il faut faire comme ça, et num invite, il faut pas mettre de N majuscule. Et là, normalement, c'est bon, donc c'est censé être bon. Donc, on va l'expulser, enfin, on va m'expulser, on va dire.
et je vais re-rejoindre. Voilà. Du coup, là, on peut voir que j'ai une invitation parce que j'ai invité une personne. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça marche. Ensuite, on va voir comment configurer. Bon, en vrai, ça, on s'en fout. Alors, bah, du coup, c'est exactement la même chose en fait pour les live messages, c'est-à-dire que par exemple, faire config live message. On va dire. Alors, pour config live message, il y a un petit truc à respecter, c'est-à-dire que vous pouvez toujours mettre member mention, mais il y a de très grandes chances que la mention du membre qui a quitté ne marche pas et que ça mette. Arrobase plein de chiffres, donc ça sera son Discord ID en fait, mais du coup ça va pas le mentionner, ça va juste mettre son ID Discord. Du coup, moi ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est de mettre son nom plutôt que sa mention, parce que ça risque de mettre son Discord ID, en gros ça sera plein de chiffres. Regardez, là voilà, ça va faire ça. Bon, en gros, ça c'est l'un des serveurs. D'ailleurs, vous savez quoi, je vous mets le lien de ce serveur dans la description. C'est un serveur pour les développeurs Discord, mais bref. Du coup, vous voyez, ça va très certainement faire ça si jamais vous mentionnez le membre qui a quitté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le member name. Voilà, donc on peut également faire l'inviter mention, enfin name en l'occurrence, pour le live message. C'est-à-dire qu'on va faire du coup ça et on va faire inviter. Alors, inviter, je sais plus s'il y a une majuscule. Non, il n'y en a pas, évidemment. Il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Hein. Il n'y a pas de, il y a jamais de majuscule au premier mot. Donc inviter, on va mettre name parce que bon, après ça va encore mettre l'idée plutôt que le pseudo et tout. Donc on va fermer et on va dire, et on va au choix remettre ça. Donc, vous savez quoi, on va même pas le mettre. Voilà, du coup si je fais ça, normalement c'est bon. Voilà, du coup juste à me dégager du serveur, et là il y aura écrit Falco. Ah oui, ben ça c'est normal, à quitter. Vous savez pourquoi? Moi je pense que la question elle est vite répondue. En plus, il avait été invité par Aran. Voilà, et donc si on refait exactement la même chose, sauf qu'au lieu du inviter name, on met inviter mention. Hop là, je vais me réinviter. Voilà, et je vais me redégager. Et là, vous savez pourquoi? Puisqu'il avait été invité par Aran. Voilà. Donc bah du coup, maintenant que vous savez comment configurer Invite Manager, alors du coup juste pour la fin, on va faire un petit test. C'est qu'on va mettre la member mention. Voilà, je vais revenir. Et normalement si je me kick, il y a de grandes chances. Bon, il y a quand même moyen que ce soit l'idée Discord plutôt que la mention. Alors, vous pouvez ajouter ce compte, de toute façon c'est un compte Strawway, hein. Je sais même pas pourquoi je l'avais sur mon téléphone d'ailleurs, ce compte là, mais en gros c'est un vieux compte fake, je sais même pas à quoi il sert, et j'ai mis une pp au hasard que j'ai trouvé dans mon téléphone, dans du truc, bon bref. Du coup voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, évidemment. Vous pouvez aller rejoindre mes serveurs Discord surtout, mon serveur l'ingénierie Discord, qui est là pour tout simplement les développeurs Discord. Voilà, bon, pour l'instant on n'a pas beaucoup de membres, effectivement on en a que 11, mais bon c'est déjà un début. Du coup voilà, vous pouvez dès à présent vous abonner, mettre un petit like, activer la cloche, partager, mettre un petit commentaire, ça peut toujours faire plaisir. Et je pense que pour la prochaine vidéo, on va voir comment configurer Server Stats. Voilà, donc je vais faire plein de vidéos pour comment configurer des bots. Du coup on va aller configurer Server Stats la prochaine fois, et sur ce je vous dis à la prochaine.